place dans une petite chambre. Et ils me disent d'attendre encore. Vous êtes en position de patient, donc patientez. Mais c'est un autre genre d'attente. Un stade supérieur. Plus stressant tout en étant plus calme. J'ai le sentiment que je vais me faire annoncer une nouvelle immense. Je sens la révolution dans ma vie et toutes les fois que j'ai pensé à la peur que j'allais avoir à me faire annoncer ce genre de nouvelle immense. Sais-tu quoi? Tout ce que je m'étais imaginé vaut rien. Il n'y a que le sentiment présent qui compte. Taxi! À partir de maintenant, mon corps me fait chier. C'est une enveloppe qui me fait chier et qui m'angoisse. Pourquoi? Hein? J'y crois pas, je refuse d'y croire. J'ai toujours été le plus fort et maintenant je suis le plus faible. Je suis seul au monde et je sais pas si j'ai envie d'être seul. J'ai pas envie de lui parler en même temps, j'aimerais te lui dire. Ma peur, tout ce qui s'en vient. Ma première chimio, mon lit vide. Mes rêves de grandeur, mes voyages, mes soleils, ma peur de ne pas être aimé, la peur qu'on n'aime pas pitié, ma peur de ne pas être là au bon moment et celle d'y être totalement. Ma peur de mourir seul, peur de la fin du monde, de la fonte des glaciers, peur du jugement, peur du dernier, peur d'être ridicule, peur d'être torturé, peur de la douleur, de la trahison, du froid, de l'univers, peur de Dieu, des hommes, des femmes, d'être passionné et de m'attacher, peur d'avoir à décider, peur du vertige, de me perdre, de me saouler, de ne plus dessouler. Peur aussi de commencer à pleurer, de ne plus être capable de m'arrêter. Peur de la réalité, de l'inconnu, de la grandeur. Peur d'être gros, peur d'être stupide, un gros stupide. Peur de ne pas pouvoir payer mes comptes. Peur d'être chauve, peur d'être fou. Peur de ne pas me réveiller le matin. Peur de mourir, peur du cancer, peur de... Lorsque l'on tombe malade, il se passe à l'intérieur de nous un phénomène que je nommerais le phénomène du double. Un double de soi qui nous crie loin du loin de soi-même et qui dit des phrases du genre. Change. Cette personne est négative pour toi. C'est ta faute si tu es malade. Change. Et du coup, on se doit d'écouter ce double à l'intérieur de nous. Je veux pleurer. Mais j'y arrive pas. Je me suis trop consolé, je sais plus comment faire. Enfin, je pleurais. Pour rien, pour tout. Je crois que j'étais trop sensé. Cette magnifique prestation allait me donner droit au beau gâteau blanc au colorant bleu de mes 6 ans. L'adresse, je l'ai apprise. Par cœur. Et le jour de mon anniversaire, sur le trajet d'autobus me sortant dans les rivières qui coulent, je me suis perdu. Oublié complètement comment me trouver. Le blanc total. Le bleu qui m'est sorti des yeux. Je respire et je pleure. Je respire et je pleure. En fait, je fais semblant. Je respire et je pleure. Je respire et je pleure. Je fais ça comme si j'étais en train d'accoucher. Oui, c'est ça, j'accouche de mes larmes. Je respire et je pleure. Et je respire et je pleure. Et François m'ordonne de pleurer. Mais pleure, Michel! Laissez-les! Pleure! Et là, tu mets tout ce qui m'a sorti. Je pleure toutes mes misères et mes peines. Je pleure, oh oui, je veux pleurer. Ça fait un bien immense. C'est une pluie torrentielle qui me sort des yeux. Je respire. Et je pleure, mais pourquoi moi? Je pleure, oh oui, je le veux. François pleure avec moi. Le fait qu'elle pleure me fait pleurer. Je pleure sur moi, pour elle aussi, ça fait un bien immense.